Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Farming Simulator 19. Je vous explique tout ce que l'on va faire juste après l'intro. Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur la map AgriFrance, donc pour la série Bienvenue en France, série No Cheat, je vous le rappelle. On est à 15 000 euros, voilà, donc on n'a pas non plus, j'ai pas non plus trop avancé, mais fait un petit peu quand même, les amis. Vous allez voir, dans cet épisode, on va donc justement pailler les vaches, tout simplement. Ensuite, nous allons amener, parce que depuis qu'on le dit, c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait, et effectivement, au niveau des serres, on va activer, bien sûr, voilà, on va les mettre en route, on va les mettre en place. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on ira désherber, puisque j'ai deux champs là-bas qui, vous verrez, à côté des serres, qui méritent un petit peu de désherbant. Donc, on va leur amener ce qu'il faut. Voilà, on va juste mettre deux bottes, histoire de deux bottes de paille. Voilà. Ensuite, on va aller atteler, bien sûr. Vous allez voir, on va aller atteler le, comment ça s'appelle, le godet pour attraper du fumier. Alors, j'arrive pas à attraper le fumier ici, les gars. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous y arrivez. Je passe le bonjour à Papa Pascal, Pascal le Valaisan, Agribart, mon frère Bart, et mon ami Jérémy, Jifit Farmer. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc on est mercredi. C'est voilà, donc c'est la semaine AgriFrance. La semaine prochaine, on retrouvera Marwell Manor Farm. Je passe le bonjour, bien sûr, aux nouveaux abonnés. Merci à vous de vous être abonnés à la chaîne du Geek du Soleil. Je passe le bonjour à ceux qui me suivent depuis le départ. Merci à vous. Voilà, continuez, n'hésitez pas. Alors, vous voyez, je vous montre, j'arrive pas à attraper le fumier. Je sais pas, est-ce que c'est un bug de la map ou... et hop, j'arrive pas à attraper le fumier ici. Bon, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, pourtant, il spawn bien et tout, mais je sais pas, c'est peut-être un bug de la map, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, si ces vidéos vous plaisent, les gars, n'hésitez pas, gros pouce bleu. Abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Allez, on va aller... lui, on va le mettre là. Et ça nous permettra... Non, ça ne nous permettra pas, parce que je crois que je ne l'ai pas mis, le follow me. Donc, du coup, je ne l'ai pas installé, donc c'est pas grave. On fera différemment. Ça aurait pu, c'est vrai, effectivement. On aurait pu utiliser le follow me, mais je ne l'ai pas installé comme un con. J'ai acheté, ouais, parce que je le trouvais sympathique, donc on va, vous allez voir, un épandeur que j'ai trouvé en téléchargement. Je l'ai passé à mon ami Jérémy, donc pour sa série présentation de mode, donc je pense qu'il le présentera. Il y a un petit JD aussi qui est sorti, mais apparemment il y a quelques bugs. Du coup, je préfère pas vous le présenter. C'est vrai que dans le, en plus dans le shop, on le voit pas. Alors. Bon, c'est pas très grave, vous me direz, mais mais bon, quand même, c'est pas non plus. Et apparemment, il y aurait une correction qui va arriver, donc du coup, on va attendre la correction. Voilà, voilà pour cette petite série sympathique qui vous plaît. Les amis, à l'heure actuelle, on dépasse chacune de mes vidéos fait plus de 100 vues. Waouh, c'est juste merci, vraiment merci beaucoup parce que c'est énorme. Ça m'était rarement arrivé, et là, toutes les vidéos depuis 3 semaines, un mois, font plus de 100 vues, même beaucoup plus. Donc continuez comme ça, vous êtes vraiment géniaux les gars, merci à vous. Voyez, hop, c'est parfait. Alors, on va descendre de là, on va utiliser donc le... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre de l'eau avant de... On va faire les choses intelligemment, donc le petit deuil, tu sais, bien sûr, que vous connaissez maintenant, que j'utilise sur ma série All Stream Farm. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre de l'eau. On va revenir, on attellera le pulvé. Voilà. Et ensuite, bien sûr, les amis, on partira avec le télescopique. Et on reviendra avec le télescopique. Ça nous évitera de marcher, tout simplement. Et puis, on va pas bien loin, hein, les gars. Allez. Hop. Alors, je vais me mettre un petit peu en vue extérieure parce que, regardez. Alors, je suis pas arrivé à faire le petit chemin, là, que je voulais faire. Bon, mais c'est pas grave. J'ai réussi à installer les serres, c'est déjà pas mal. Donc, et à les installer un petit peu comme je voulais. Je vais vous montrer là. Oh, avance, hein. Feignant. Ouais, à les installer un petit peu comme je voulais. À faire vraiment ce que je voulais faire. Donc, du coup, bon, voilà.
Ah ben forcément, je suis pas bien mis, donc alors vous allez voir ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire différemment les choses. Ça fonctionne, j'ai essayé, donc j'avais essayé en off, donc j'avais le trigger. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que faut être bien placé. Arrête-toi, voilà. Oh là, oh là, oh là, oh là. Là, pas plus. Donc là, on va mettre un petit peu d'eau. Vous voyez, j'ai amené du fumier en bas là, donc du coup. J'ai amené du fumier histoire de. Allez, on va faire ça comme ça, vous allez voir, on va reculer. Ouais, ça marque là. Allez, on va y aller ici. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne même très bien. Donc ouais, le petit coin à serre, voilà, j'ai pas non plus. Ouais, j'ai fait simple quoi. J'ai essayé de retravailler un petit peu. Vous voyez que ça fasse joli. Bon, derrière, j'arrive pas trop à le retravailler, mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est pareil. Là, j'ai creusé un petit peu, j'ai amené du fumier. On y en amènera d'autres, les gars, c'est pas un problème. Ouais, je trouve que ça fait joli. Et puis, comme je disais, on essaiera, voilà, on essaiera comme ça d'enlever le, on va pas descendre ici, hein. Ça craint un peu. Voilà, on va reculer. On essaiera d'enlever le panneau du gouvernement comme ça et d'être autonome avec les serres. On verra, faudra peut-être une, on en mettra peut-être d'autres, histoire d'avoir quand même un petit peu de, petit peu plus d'argent. Voilà, donc petite activité sympathique au demeurant. J'espère que ça vous plaît, en tout cas les amis. Hop, la petite intro aussi, je la mets que sur cette map les gars pour l'instant. Voilà, on verra, peut-être que j'en ferai une autre. Mais bon, pour l'instant. Hein. Allez, on va les donner aux vaches, puisque tant qu'on le tient, profitons-en. Comme ça, on laissera le tonneau à eau aux vaches. Voilà. Alors, c'est vrai que j'essaie de vous montrer plusieurs activités, mais c'est pas facile. Hein. Il faut vraiment choisir, parce que il y a tellement de choses à vouloir. Enfin, j'ai tellement envie de vous montrer. Il y a tellement de choses à vous montrer que. Que bon, voilà quoi. Et on finira, vous verrez, on attaquera la traite. Dans l'épisode, dans cet épisode, enfin, on finira là. On attaquera la traite des Montbéliardes. Alors voilà, la réponse à la question que vous m'aviez, que je vous avais posée, c'est ça en fait. C'est que le lait, ces vaches-là sont mis, enfin, sont vraiment spécialisées dans un lait vraiment à matière grasse très importante. Ce qui fait que ça revalorise vachement le lait par rapport au prix Molstein, tout simplement, les amis. Voilà. N'oubliez pas, on continue le jeu concours pour gagner le DLC Anderson. Pour l'instant, vraiment, je montrerai à Papa Pascal la faute, enfin, les photos que vous m'avez envoyées. Mais pour l'instant, il y en a une qui sort du lot. Hein. Vraiment, voilà, les amis, je vous le dis, il y en a vraiment une qui m'a tapé dans l'œil. Elle est parfaite. Hein. Il n'y a pas la TH, il y a une multitude de choses, mais c'est super bien placé, super bien fait. Ben, voilà, je pense que même Papa Pascal, il va, voilà, il va choisir, je pense qu'il va partir sur celle-là. Ben, allez-y les gars, hein, la plus originale possible. Allez-y, n'hésitez pas, envoyez-moi plein de photos, vous verrez. Pour l'instant, j'ai dit, voilà, on continue, tant que je n'ai pas assez à mon goût. Je pense que voilà. Et si jamais d'ici une dizaine de jours à peu près, voilà, je pense qu'on l'arrêtera quand même. À un moment donné, bien sûr, il faudra bien l'arrêter. Mais honnêtement, si j'ai pas mieux, les gars, ça sera le jeune homme qui m'a envoyé cette photo qui gagnera le DLC parce que la photo est magnifique. Hein. Honnêtement, il s'est vraiment creusé. Il a vraiment été chercher l'originalité. Hein. Et je la mettrai d'ailleurs sur les réseaux. Et, enfin, sur les réseaux. Sur Twitter, bien sûr. Je l'enverrai sûrement à mon ami Jérémy qui la mettra sur son compte Instagram. S'il est d'accord, bien sûr, je lui en ai pas parlé, mais je pense pas qu'il me dise non. Et je la mettrai, bien sûr. Voilà, je la mettrai dans une de mes vidéos. Voilà, pour montrer la photo en question. Et croyez-moi. Alors, vous voyez, et là. Remettre quand même le bordel là. Vous voyez là j'arrive à charger le fumier. Hop. Et ça charge super bien. Alors c'est pas normal. Bon, c'est pas grave.
Alors pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait avec le silo que m'avait donné Jérémy, le silo multifruits qui vaut 1 euro. Alors dites-moi dans les commentaires, les gars, et au pire des cas, on le placera dans le sable. Si jamais j'ai pas accès au fumier, malheureusement, on s'en servira voilà, que pour du fumier. Mais bon, malheureusement, j'ai pas le choix. Si je veux un peu de fumier pour les serres et pour mettre bien sûr sur les prairies, il faut bien que j'ai un peu de fumier. Hop, on va aller chercher d'autres. On va pas s'arrêter là. Là, il y avait un arbre. Ok, hein, t'excites pas. Hein. J'ai rien fait. Hein. En tout cas, voilà les gars, n'hésitez pas. Un gros pouce bleu, bien sûr, si ces vidéos vous plaisent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est vrai que cette map vous plaît beaucoup aussi. Alors, comme je vous ai dit, il est impossible pour moi, bien sûr, de faire trois séries no cheat en continu. Voilà, je suis obligé de sélectionner et de choisir. Donc cette semaine, vous aurez plusieurs épisodes, bien sûr, sur la map AgriFresh. All Stream Farm en continu pour le moment. J'ai bien dit pour le moment parce que je ne sais pas si je la continuerai. Il y a un très très gros truc qui va arriver, les gars, avec Jérémy et Pascal. Donc je ne sais pas si on continuera sur All Stream Farm. Enfin, on verra. S'il y a pas de map qui sortent, les amis, on continuera bien sûr sur All Stream Farm. Et là, je suis bien sûr en train de me. Ah, merci. C'est vrai que j'avais pas trop calculé, c'est un peu limite. Mais. Comment ça? Comment ça, je peux pas effectuer cette action? Mais t'es con ou quoi? Ah. D'accord. Alors, c'est parce que je dois pas être bien droit. Eh ben, couillon de la lune, ça marche sur l'autre et ça marche pas là. C'est juste que je dois pas être bien droit. Alors on va faire ça comme ça, tant pis. Et on va y remonter. Normalement, on devrait arriver. Au pire des cas, on adoucira un petit peu la pente. Hein. Vous inquiétez pas. Oh, vas-y, grimpe, Kiki. Ça grimpe partout, les télescopiques. Voilà. J'étais pas bien droit. Nom de Zeus. Nom d'un Samaritain. Bon, on va ramasser le petit caca que j'ai mis par terre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pas, peut-être pas dans ce sens-là. Ouais, ça grimpe partout, ça limpe partout les télescopiques, les gars. Donc, ouais, bon, serre à salade et serre à tomate, hein, on n'a pas mieux, hein, les gars, pour le moment. Alors, si, j'ai vu un truc. J'ai vu qu'il allait y avoir peut-être des ruches. Donc, pourquoi pas. Alors, bien sûr. Pourquoi pas faire là, mettre quelques ruches? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais, pourquoi pas. Hein. Ça pourrait être sympathique. Hein. Hop, on va reculer. Si je me mets comme ça, est-ce que j'y arrive? Ouais. J'ai même pas besoin de. Alors, ça, vous allez voir, on va aller le jeter par-dessus bord. Par-dessus la montagne. Hop, puisque j'avais mis le fumier, vous voyez. Presque, je pourrais même venir le charger ici, le fumier. C'est vrai que. Je n'ai pas pensé, mais bon. Allez, on va finir la vidéo, les amis. Par un petit peu. Décidément, j'accroche partout. On va finir la vidéo par un petit peu de pulvérisation. Merci, cette fois-ci c'est mon ami Bart qui m'écrit en direct live, les amis. Voilà. Alors je crois savoir pourquoi. C'est parce que je l'ai connecté avec mon téléphone et que du coup il est à côté. Je pense que c'est pour ça. Et tout est connecté en même temps. Et du coup je ne l'ai pas éteint. Et c'est pour ça que ça. Oh, c'est pas grave. Merci à toi, mon petit Bart. Petit coucou et gros clin d'œil à toi. N'hésitez pas pareil à aller sur sa chaîne pour l'encourager, mettre des pouces bleus. Je vous rappelle que. Cette semaine, on va essayer avec Papa Pascal, bien sûr, et mon ami Bart de se trouver pour la série Les Deux Suisses sur la chaîne d'AgriBart. Et bien sûr, la série No Cheat, les associés avec Jérémy et Pascal continue, les amis. Voilà, on va aussi essayer de se trouver. Normalement, il n'y a pas de problème. On devrait y arriver. N'hésitez pas à voir le dernier épisode hein, qui est sorti dimanche.
N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On le dit à chaque fois, mais c'est important. Voilà. Allez, on va aller faire un petit peu de pulvérisation. Voilà. Alors ça, c'est pas bio, hein. C'est pas bio, les amis, mais c'est pas grave. Allez, en vue extérieure. Et puis, on se laissera là. Hop. Donc là, on a semé du blé, de l'orge, du colza, un peu de tout, hein. Au moins... Allez, vous voyez. Au revoir les mauvaises herbes. Et bien voilà les amis, ça ira pour ce petit premier épisode à nouveau de la série sur la map AgriFrance. En tout cas, merci à vous pour tous les retours. C'est vraiment génial. C'est vraiment très motivant et ça fait vraiment très plaisir de voir que les stats sont bonnes. Voilà, tout simplement. C'était 7 Farmer 12, le geek du soleil. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, un très bon week-end. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Baby, I want you to be here. When the sun comes up and the day goes by.